À 5 ans, cela faisait 5 ans qu'un bateau de croisière n'avait plus jeté l'ancre dans les eaux turquoises de Manihi. Alors, l'arrivée du Silver Explorer était synonyme de réjouissance sur l'atoll. Le comité du tourisme et la commune ont organisé les festivités avec la plus grande attention. Au programme, accueil au sein des Toere, couronne de fleurs, promenade dans le village et plongée sous-marine. On écoute ces réactions recueillies sur place par notre correspondant. Ça faisait plus de 5 ans qu'on n'a pas eu de paquebot. Alors, le comité du tourisme de Mani, dont je fais partie, avec Vaya Tefana, la présidente, on est carrément contents de recevoir les touristes en fait, qui reviennent chez nous. Et la population est là pour participer. La commune de Mani, les artisans sont là pour exposer tout ce qu'ils peuvent vendre. Et on verra si ça plaît. On a des artisans, on a de la musique, quelques guides qui vont emmener les gens visiter le village. Tout est parfait, on n'a plus qu'à attendre les passagers. Je viens des États-Unis. Nous avons démarré à Valparaiso du Chili, un dernier arrêt, puis Tahiti. Ensuite, nous avons voyagé 27 jours, l'île de Pâques et bien d'autres lieux. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.